parce que vous êtes là depuis bien longtemps. C'est de ça le sens de son. Je comprends. Bon, il faut dire que le développement du secteur rural, ce n'est pas quelque chose de le développement du rural, je pense que c'est des actions prendre le début du processus. Le développement du rural, on est développement du sport, systématiquement pas cher. Selon l'évolution de la vie, en moyenne, je pense qu'on a vu développer en moyenne tous les 5 ans. Je pense que, M. le ministre, vous avez raison, il y a des réserves partielles. C'est pour ça que nous avons mis les terres à la disposition du pays. Nous les aidons à les exploiter. Mais on vous donnera les chiffres. C'est d'avoir une information. On vous donnera les chiffres. En fait, je ne parle pas, ce n'est pas simplement le cas de dans un site qui n'est pas limité. Il y a un style de l'exploitation. Il y a l'obligation de réhabilitation. Même si ce n'est pas habité, vous réhabilitez une zone qui n'est pas habité, mais qui devient une terre agricole. Parce que le sol a été dévié, etc. Ça devient un sol fertile. Est-ce que nous avons une évaluation? Ce que j'ai dit, c'est intéressant directement le ministère de l'Agriculture. Tu dois savoir la superficie globale de terre disponible ici, parce qu'elles ont été réhabilitées, de sorte à pouvoir développer l'agriculture ici, à l'échelle gouvernementale. Je parle, parce que les populations n'ont pas le niveau d'investissement nécessaire pour faire des investissements de l'agriculture à la grande échelle. Mais si on retourne cette terre-là à l'État du Sénégal, au ministère de l'Agriculture, parce qu'on en a fait une bonne évaluation, on transmet ces informations-là, ça c'est un point extrêmement important. Donc, non, on vous donnera les chiffres. On a besoin d'avoir cette information. On vous donnera les chiffres. De sorte à transmettre l'information au ministre de l'Agriculture, absolument, qui sûrement viendra, parce que lui, il cherche des terres. On a un projet de...